بدأت تتسع لدى الباريسيين ظاهرة السكن في قوارب على ضفاف نهر السين، ويعود السبب في ذلك إلى غلاء أسعار العقارات وقلة الضريبة على تلك القوارب. يبلغ عدد المنازل العائمة في فرنسا ما يقارب 1300 منزل. Je suis né sur ce bateau, ce qui est tout à fait exceptionnel parce que j'ai quand même 65 ans, donc je suis né en 46, juste après la guerre. Il y a un peu plus d'entretien que dans un immeuble avec un appartement. C'est un peu comparable à une maison à la campagne. Mais moi j'aime ça, j'aime bien le côté un peu sauvage de l'hiver. Avec les arbres qui n'ont plus de feuilles, il fait froid, pas à l'intérieur, mais autour. Il n'y a pas de droit notarial. Quand on l'achète, parce que c'est considéré comme un meuble et non pas comme un immeuble. Je suis bien content de ne pas avoir de voisins, parce qu'on peut faire de la musique, on peut faire la fête sur le pont. Il y a un esprit village, parce qu'il y a 80 bateaux ici à Neuilly. Il y a un esprit village qui fait qu'on se connaît tous. On va se voir en bateau, avec des petits bateaux. On prend des verres les uns chez les autres à l'improviste. Donc on n'est pas seul du tout. Mais on est indépendant, ce qui est un peu différent. هذا ليس قاربا سياحيا يعبر باريس، بل هو منزل عائلة فضلت العيش هنا على متن هذا المركب لأسباب بيئية وصحية ولاتساع مساحته بالمقارنة مع الشقق الباريسية الصغيرة. J'ai choisi ce mode de vie essentiellement pour le calme. On est quand même relativement au calme ici, avec la vie parisienne juste à côté, à deux pas, mais avec un environnement très tranquille, avec les arbres, avec la Seine. Ça change complètement de la vie classique qu'on peut avoir dans des immeubles parisiens, par exemple. Pour la taille aussi, parce que les péniches sont plutôt grandes, donc on a une grande surface. Donc avec quatre enfants, on a de l'espace, chacun a sa chambre, on n'est pas serré. L'humidité, elle est externe, mais en fait, à l'intérieur, dans le cadre de vie, nous, on est isolé avec tous les systèmes d'isolation classiques. On est même plutôt trop sec que trop humide dans la péniche ici. You've kept my love so young. العيش في بيئة قريبة من الطبيعة قد يساعد الأطفال على توسيع مداركهم ويجعلهم أكثر صداقة للبيئة التي تعد جزءا من حياتهم اليومية على هذه المساحات المائية. Ah, c'est super pour eux, c'est super à plusieurs égards en fait. Premièrement, parce qu'ils ont un espace gigantesque dans la péniche, donc ils peuvent être dans leur pièce isolés, en train de lire un livre, personne ne va les embêter, ou alors tous ensemble dans une grande pièce, donc on a beaucoup d'espace. La deuxième des choses, c'est qu'on a des grandes terrasses. Et finalement, il y a des gens qui peuvent se poser la question, oui, mais les terrasses avec l'eau, c'est pas dangereux, etc. Mais finalement, c'est pas plus dangereux que vivre en appartement avec une terrasse à un étage élevé. Donc c'est la même problématique, et donc il y a une attention qu'il faut avoir. Et puis en plus, eux, l'avantage, plus ils grandissent, bah, ils ont la berge, ils peuvent commencer à jouer sur la berge. Et il y a plein de choses, des aventures, on a vu des hérissons dernièrement, des ragondins, des cygnes, des canards. Donc ça permet aussi de découvrir un petit peu la vie sauvage qu'il peut y avoir à Paris, ce qui est rare quand même. العيش على متن قارب قد يكون ممتعاً ومنعشاً في الصيف ومزعجاً في الشتاء، حيث يتماير القارب مع أمواج النهر. On a l'électricité, on a l'eau, on a des boîtes aux lettres en haut aussi. Tout est prévu comme ça. On a une adresse postale, donc on a une adresse qui est indiquée sur le boulevard. La seule précision qu'il faut indiquer, c'est que nous, on n'est pas côté immeuble, mais on est côté Seine. Donc ça peut paraître bizarre, parce que les gens vont se dire, mais côté Seine, il n'y a rien. Bah si, tu descends les petites marches et tu arrives sur la passerelle de la péniche. On peut ouvrir nos fenêtres, on n'a pas beaucoup de bruit, comme vous pouvez l'entendre, malgré le fait qu'on vit sur un boulevard, à 5 minutes des Champs-Élysées, donc dans un endroit qui est relativement fréquenté. Et pourtant, on arrive à avoir du calme, ce qui n'est quand même pas donné à Paris. Ce qui pourrait faire que j'ai envie de vivre ailleurs et pas sur un bateau, il y a deux choses. Il y a l'eau. Je ne sais pas nager.
Alors si un de mes enfants tombe à l'eau, je ne peux pas aller le chercher. Ça, c'est une grosse difficulté pour moi. La deuxième difficulté, c'est que malgré l'espace qu'on peut avoir ici, on n'a pas de jardin. Mais c'est la même problématique qu'on aurait eue si on vivait en appartement. Voilà, je partirais d'ici pour aller vivre dans une maison avec un petit jardin. Alors sur une péniche, on est aussi bien sécurisé que sur un appartement, si ce n'est mieux, puisque finalement, chez nous, il n'y a qu'un accès. C'est-à-dire que si vous voulez prendre quelque chose chez nous, il faut arriver par la passerelle et il faut repartir par la passerelle. Je suis ravie de vivre ici. C'est donner, pouvoir se réveiller avec les cygnes devant votre fenêtre et leur donner du pain avec les enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, ça devient très recherché. Il y a des bateaux très au-delà du centre de Paris. Et dans toutes les grandes villes de France maintenant, vous avez des gens qui habitent sur les péniches, ce qui n'était pas le cas il y a encore une quinzaine d'années. لبرنامج محطات ليث بزاري العربية باريس.